L'alcool et le foot n'ont jamais été une bonne combinaison. Même le ballon vient de renverser sa bière. Le pauvre va perdre le match et perdre sa bière. Quel gâchis. 14. Leçon numéro 1 pour les gardiens et les défenseurs. Toujours garder l'œil sur le ballon, pas sur le joueur. Ce gardien ici n'a rien compris. Mais où va-t-il? 13. Il y a des gardiens qui se prennent pour Manuel Neuer. Hein. Ils n'aiment pas rester dans leur poteau, ils veulent toujours sortir. Ok, conséquence, tu te fais lober. Maintenant quoi? 12. Clairement, ce gardien est saoulé. Il s'en bat les des règles, il fait ce qu'il veut. Le soulard s'en fout. 11. Si Gérard Piqué était un gardien de but, il aurait été ce mec. 10. Je vais pas beaucoup critiquer ce mec parce que ça arrive au meilleur. Garde la pêche, frérot. 9. Mais c'est qui le coach de cette équipe, hein? Wetsa. En tant que gardien de but, c'est quoi votre défense contre un geste pareil? C'est même pas la photo gardien, je ne le blâme pas. 7. Les réseaux sociaux, c'est mauvais pour la santé. Ce gardien a voulu faire le show pour Instagram et il a fini défiguré. 6. Hey, notre ami ici, il a fait de son mieux, hein, mais il n'a pas eu la vitesse nécessaire pour revenir au cage. Vous n'êtes pas Manuel Neuer, je vous le répète. 5. Et les mecs qui portent les pantalons baggy pour jouer au foot, hein, c'est des super-héros, hein, donc vous pouvez rien faire pour les arrêter. 4. Comme vous pouvez le voir, tout le monde n'a pas la distribution d'Ederson, ok? Certains sont nuls, c'est la vie. Trois. Une pensée et une prière pour notre très cher frère ici. Clairement, il en a marre de la vie. Il est probablement en train de passer une époque douloureuse. Il ne pense même plus au foot. Deux. Décidément, c'est un nouveau Gaulier. La distribution, c'est pas leur fort, hein. C'est simple, mon frère. Le foot, c'est pas pour toi. Va chercher un autre métier. Merci. On a besoin de docteurs ces temps-ci.